Allez, on poursuit avec une innovation au service des populations mise en place par les pompiers de Moselle et de Meurthe-et-Moselle. 100 km de frontière séparent ces deux départements. Ils ont décidé, de coopérer plus encore avec un dispositif unique en France, le Rastriano, Michael Martin. Au départ, FPTSR pour AVP VLVL, commune de Fée, autoroute A31, sens Nancy-Metz. En quelques secondes, les sapeurs-pompiers s'équipent, gagnent leur véhicule et prennent la direction du lieu d'intervention. Fait inédit, ces secours, basés à Pompée, en Meurthe-et-Moselle, ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours de Moselle. Car désormais, dans les centres de traitement de l'alerte des deux départements, leurs systèmes de gestion opérationnelle sont reliés. Sapeurs-pompiers, j'écoute. Je suis avec une dame, là, elle est dans sa voiture, elle parle plus. D'accord, vous êtes dans quelle ville ? Je suis sur la route, près de Cheminot. D'accord, très bien. Je vais vous passer un médecin, hein, j'envoie les secours de la Moselle sur place. Ne raccrochez pas le téléphone. Plus besoin de transférer les appels, de précieuses secondes sont ainsi gagnées lors des différentes opérations de secours. Par exemple, nous, on est capable de déclencher des secours à partir du moment où on a décroché le téléphone en moins de 30 secondes pour la Meurthe-et-Moselle. Et à partir du moment où on est interconnecté, on peut faire exactement la même chose en recevant un appel pour le 57. En gros, il y a 300 interventions par an. Donc si vous gagnez quelques secondes sur chacune de ces interventions, ça peut aller jusqu'à 3 minutes. Cette mutualisation est une première en France. Non, j'ai pas marqué. Samu s'est engagé, Saulne, femme 85 ans, Covid plus, inconsciente, je te passe. Fruit de plus de 2 années de travail, l'innovation présente aussi de nombreux avantages. C'est en cas d'intervention importante et multiple de pouvoir utiliser le département voisin, la salle voisine, pour faire du débordement entre nos appels qui seraient importants en Meurthe-et-Moselle ou en Moselle. On a eu récemment un petit incident de rupture du 18. C'est de pouvoir assurer un secours ultime où un département pourrait prendre la gestion opérationnelle complète de l'autre si on avait vraiment une rupture sur nos 18. Un coup d'avance pour les SDIS des deux départements qui n'ont pas fini d'évoluer, car dans quelques années, le logiciel national Nexis, sorte de plateforme digitale des secours, sera déployé.